Bonjour à tous les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 46 de la voiture de Gaston. Et avant de commencer, on pense à s'abonner. Plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Ça serait vraiment très gentil de s'abonner et ça m'aiderait énormément. Merci à tous. Alors, notre numéro 46. Le rétroviseur et l'arme du Dafofen partie 5. Donc on a nos supports de rétroviseur, notre rétroviseur, notre glace, notre clé E, notre clé F et nos vis. Donc on va venir mettre notre rétro en place. Hop, monter les petites pièces. Mettre notre vitre après dessus. Mettre nos clés, on va les emboîter, les mettre dessus. Notre résultat fini. Une photo de notre voiture avec le Dafofen au-dessus. Donc, comme je vous faisais voir à la fin de la vidéo d'avant, il est vraiment énorme ce Dafofen. Après l'histoire de la série, il nous parle de la belle vie de Gaston. Dans les planches préférées, c'est le diade 821, la diaph mérite des baffes de 79. Et dans le numéro 47, on a plusieurs pièces qui vont nous servir à faire la direction de la voiture. Allez, c'est parti pour le montage. On vient à l'intérieur de notre voiture, juste ici. Placé. Cette pièce là comme ça et on la maintient avec une vis CM. On met ensuite notre rétroviseur avec la partie la plus large vers le haut, dedans comme ça. Et on le tient avec une vis JM. Voilà. On vient ensuite enlever l'autocollant double face à l'arrière de notre rétroviseur. On vient le coller juste ici. Et enfin, on peut enlever notre plastique de protection. Refaites bien. Donc voilà pour notre intérieur. On vient ensuite prendre la clé E, la bleue. On l'emboîte. Elle vient se mettre juste à côté de la verte. Qui n'a pas l'air de tenir d'ailleurs. Sûrement, ils mettent un point de colle vu que ça ne tient pas des masses. Alors, elle vient se mettre. On fait ensuite la F, la jaune.
Donc la jaune vient juste en dessous la verte, ici. Comme ceci. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ce numéro 46. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On pense comme d'habitude à s'abonner, à liker, à partager, à me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Il y a aussi un compte Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Je vous remercie tous, à bientôt, bye!